Salut tout le monde, c'est Darkhan62 et aujourd'hui nous nous retrouvons sur mon nouveau gameplay dans Minecraft que j'ai intitulé Lost Island. Alors vous l'aurez compris, nous allons jouer sur une petite île en mode survie. En fait non, elle est plutôt assez grosse, ce qui va nous laisser de la place pour les constructions plus tard. Si vous vous demandez c'est quoi ce pont, bah tout simplement c'est moi qui l'ai fait en mode créatif. Car je me suis donné des objectifs du genre tuer une centaine de zombies et de squelettes, une cinquantaine de creepers et d'araignées. Donc pour accomplir ces challenges, j'ai fait mettre des mob spawners là-bas. Mais il y a un petit problème, ces mob spawners ne font spawner que des cochons. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à me laisser un commentaire. En me disant comment modifier la création des mobs, car comme vous le voyez, bah il n'y a que des cochons. On va aller voir là-bas. Ouais, que des cochons. Donc ça serait gentil. Bon, on va commencer l'aventure. Ah, ça lag un peu. Sinon, si vous aimez mes vidéos, j'en ai fait d'autres. Je ne fais pas que des vidéos de Minecraft. Je fais aussi des vidéos de jeux d'horreur comme Amnesia, SCP et d'autres. Donc, si vous aimez bien les jeux d'horreur, vous pourrez aller les voir dans ma playlist jeux d'horreur. Donc voilà. On va commencer la partie. Time set 1. Et slash game mode 0. Bon, c'est parti. On va commencer par récolter le bois pour s'équiper. Normalement, je me suis donné un délai de 10 jours Minecraftien. Mais je sais pas, pour les challenges que je me suis mis, ça risque d'être un peu court. Donc, si vous voulez me rajouter des challenges, dites-le en commentaire ou en message privé. Et j'allongerai les jours de vidéo. Alors, on va commencer par faire par une table de crafting. Alors voilà, on va se faire 8 bâtons. Voilà, je sais que c'est pas le meilleur, mais nous sommes un peu obligés de commencer par des outils en bois. Alors une pioche, non, aussi une pelle on va faire. Excusez-moi pour les lags. Tac. Et une pelle. Alors c'est parti. Ouais, j'ai une pelle. Alors il y a une petite. Ah, yeah, d'accord. Donc si on sort de là, on arrive. Ah, ok, on arrive ici. Ah bah je veux replanter les poules d'arbres. Car en mode créatif, j'ai été voir aux alentours de l'île. Bah il n'y a pas d'autre île justement. À part celle où j'ai laissé le chemin. Donc nous serons très limités en ressources de bois. Alors. Je crois que c'était par là, de l'autre côté. Dans cette vidéo, vous me verrez m'armer, m'équiper plutôt. Ah, d'accord.
pas très profond, m'équiper pour justement aller accomplir mes objectifs. Ah bah. C'est cool, on commence déjà à trouver du charbon. Oh non. On regarde s'il n'y en a pas d'autres. On va pas aller loin avec un charbon. Ah bah j'y pense. On va pouvoir aller sur les autres îles, chercher, tuer du cochon plutôt. Car nous allons vite manquer de nourriture. Et donc avoir faim. On va encore ramasser un peu de cobble pour le four. Et me faire une épée. Par contre, je vous préviens, cette vidéo ne durera que 15 minutes pour respecter le temps donné par YouTube. Donc, ce n'est pas grave si une journée ne fait pas un épisode. Car il y aura le nombre d'épisodes qu'il faut pour compléter ces journées. Alors, je débarrasse un peu la zone et on va aller chercher du cochon. Voilà. Comme je l'avais dit, mon bonhomme, mon personnage, commence déjà à avoir faim. Donc on va y aller. Je n'ai pas d'épée. On va se créer une petite épée en cobble, en pierre, et partir à la chasse. Je vais m'en faire deux. Et hop, au moins le four est déjà prêt. Mettre le charbon dedans pour après. Excusez-moi pour les lags. Je sais pas pourquoi il y en a. Donc c'est parti. On va prendre une épée en main. Et il commence vraiment à avoir faim là. Donc je vous l'ai dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire si, pour me dire comment modifier la création des mobs. Ça serait gentil et puis ça m'aiderait pour mes objectifs. On va sprinter. Il y a déjà beaucoup de cochons. C'est parti. Ah là là. Je vais pas aller le chercher car c'est peut-être un peu trop profond. Pas grave, il y en a plein d'autres. Allez. Alors, il y en a un ici. Ouais, déjà deux côtelettes. Trois. Six côtelettes. On va encore en tuer un et on s'arrêtera là pour aller les faire cuire. Oh, yeah, yeah. Donc je vous remercie d'avance de regarder mes vidéos, pour avoir regardé mes vidéos. Et si vous avez aimé, laissez un j'aime. Et abonnez-vous à ma chaîne. Car des épisodes sur Lust Island, il va y en avoir.
Et si vous le voulez, proposez-moi des projets pour plus tard, mes prochains gameplays. Si vous voulez que je fasse une ville ou des choses comme ça, aller dans le Nether et tout, je le ferai. Laissez-moi un commentaire et abonnez-vous. On va se dépêcher parce qu'il commence vraiment à avoir faim. Et nous allons rester encore 5 minutes ensemble, à peu près. Tac. Voilà. Et pendant ce temps, on va reminer tout simplement. Peut-être se faire une pioche en fer. En pierre, pardon. Un. Tac. Tac. Je viens d'y penser. Tant qu'à faire, on pourrait aussi se faire une bêche. Car j'ai remarqué qu'il y a quand même pas mal d'herbes sur cette île. Donc, on va pouvoir la ramasser et commencer à faire des plantations de blé. Donc on va la ramasser. Là, ça lag fort un peu trop. Et désolé pour cette coupure. Car je filme Minecraft et. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il y a une coupure. Ah, nous avons déjà 2 graines, 3 graines, 4. Ah, c'est pas mal. En graines, nous sommes plutôt bien partis pour avoir beaucoup de graines. Enfin, je l'espère. Là. Ah, la nuit est en train de tomber. On va aller chercher dans le four et je sais pas si j'y vais maintenant ou dans le prochain épisode pour aller tuer les mobs. Alors. Bah pour l'instant, nous tuerons les mobs dans le prochain épisode. Ne vous inquiétez pas. Et pour l'instant, nous allons continuer à récolter des graines pour le champ de blé. Car si j'y vais maintenant, ça serait bête de couper l'action en 2 épisodes. Donc je préfère y aller au prochain. Nous allons arrêter. Bah, je pense que je vais arrêter l'épisode là. C'était déjà un bon petit épisode, enfin je trouve. Alors n'hésitez pas, laissez un commentaire pour m'aider pour les mobs spawners, pour des futurs projets, et laissez un pouce vert et abonnez-vous à ma chaîne, ça serait gentil. Sinon je vous dis à la prochaine, ciao.